Christian, elle fait beaucoup de bien sur la forme et au niveau des points aussi. Oui, bah, on connaît maintenant connaissait l'enjeu. Hein. Il fallait une victoire pour se rassurer déjà dans l'optique du maintien et puis après pour avoir une fin de saison plus sympa. Et puis un match qui a été difficile, bien sûr, on s'y attendait, mais enfin qui a été bien mené en tout cas. On ne s'est pas désunis cette fois-ci, on s'est créé beaucoup d'occasions. Ensuite, ça a été un petit peu plus difficile sur la deuxième mi-temps où c'était un peu débridé, ça partait un peu dans tous les sens, mais il y avait deux équipes qui avaient envie d'emporter aussi. Et voilà, c'est évidemment, quand ça arrive sur la fin, comme ça, c'est encore meilleur, je dirais, pour digérer les trois points, le succès. Et puis, bon, ça nous permet aussi d'aborder la suite avec davantage de sérénité. Si on essaye de trouver quelques qualificatifs pour mettre en exergue cette équipe lorientaise, c'est solidarité, générosité. Constance surtout, on a été constant, contrairement à ce qu'on avait fait contre Bastia où on s'était désunis, on est resté constant dans la difficulté, cohérent dans notre jeu, avec bon, quelquefois manque de maîtrise peut-être, mais enfin on avait aussi en face de nous une équipe quand même qui avait de la qualité. Et c'est, ah, j'ai donné. Voilà, ça a été. C'est une prestation qui est. Il manque juste que les buts pour enflammer un peu la rencontre, parce que 1-0, c'est pas. J'ai revu des occasions, c'est pas suffisant. Oui, c'est ce qui est aussi à retenir, c'est qu'il y a eu des occasions. Lorient a été créatif offensivement. Oui, même dans la première mi-temps, on a eu des occasions qu'on avait mal gérées, mais non, il y avait une capacité de prendre de la vitesse avec un Kevin Mounet-Paquet qui était assez extraordinaire ce soir dans ses capacités d'accélération. C'est un joueur qui, quand il est dans ces dispositions-là, est très précieux et en tout cas pose de gros problèmes à l'adversaire. Mais c'est rare que vous sortiez un élément du collectif, mais en l'occurrence là, Kevin Mounet-Paquet a été créatif et inspiré. Oui, généreux. Enfin, bon, après on trouve des joueurs aussi. Bon, maintenant, j'espère qu'on va pouvoir enchaîner, pas trop de blessures non plus, parce que plus les joueurs comme Alain Traoré a besoin de jouer. On a vu que ça a été intéressant. Enfin, il n'avait pas encore 90 minutes dans les jambes. Il y avait aussi des matchs internationaux cette semaine avec Vincent Boubacar qui se plaignait du genou. Donc voilà, mais bon, si l'effectif est au complet, en tout cas. Si on ne perd pas trop d'éléments en route, on peut avoir une fin de saison sympa, au vu de ce match de ce soir. Dernière question, Christian, vous avez croisé le président? Bah, il était là, oui, il était là. Alors, la fameuse question de la prolongation du contrat a été posée. Moi, ce soir, j'avais un match à préparer. Donc, on n'en parle que demain? Suite et fin, après. Hein, c'est ce qu'on dit. Merci, Christian.